Effectivement, voilà, ça y est, bien sûr, j'ai oublié d'activer le son. Voilà, salut à tous. Je vous disais donc que là, j'arrive complètement, complètement à l'arrache un petit peu là. Week-end chargé. Et là, c'était vraiment à la minute près. Donc, un petit coup d'œil sur le chat. Salut à tous. Est-ce que tout le monde m'entend et me voit? Comme d'habitude, la question rituelle. Mais je vais peut-être régler un petit peu mieux l'exposition, par exemple. Hop, ça donne quoi ça? C'est mieux? Pas sûr. Bon, on va garder ça. Tac, voilà, donc j'avais un concert hier soir, je suis rentré à 7h du mat et une répé aujourd'hui à 14h. Donc c'était un petit peu tout feu, tout flamme. Mais voilà, je suis content de vous retrouver. Ouais, ça va, tout va bien, tout est ok. Merci Carole, Jean-Michel, Sébastien, Vince, Fouad, Émeric, Gilles, Bruno, Émeric, tout ça. Bah voilà, Yannick, Olivier, Claudie, etc., etc. Super, bah vous êtes tous là, c'est cool. Donc le sujet de ce soir, que je me regroupe, si tout va bien dans le flux, a priori ça a l'air d'aller. Ok. Alors le sujet de ce soir, c'est comment utiliser les pentatoniques sur plusieurs accords. Pareil, si encore une fois des problèmes de son, vous me le dites. J'ai même pas eu le temps de prendre mon casque. Donc du coup, c'est un petit peu la one again là, ce soir. Ok. Ouais, donc comment utiliser les pentatoniques sur plusieurs accords. Donc en fait, il y a un petit exercice que je suis en train de faire à certains élèves là, qui sont en train d'étudier justement les gammes pentatoniques. Et ben, on va, si vous voulez bien, on va en parler un petit peu ce soir. Petite parenthèse, si jamais ça freeze de votre côté l'image, la vidéo et tout, n'hésitez pas à faire actualiser sur le navigateur, quoi, hein. Actualiser votre page, et ça devrait revenir à la normale, quoi. Voilà, donc l'utilisation des pentatoniques. Alors ce qu'on va peut-être pouvoir faire ce soir, c'est d'abord redéfinir un petit peu le rôle du bassiste qui doit accompagner un morceau, avec un guitariste, un pianiste, etc., peu importe. Redéfinir le rôle du bassiste, notre rôle à la base, c'est quoi? Et ensuite, d'essayer de développer un petit peu ce rôle à travers différents outils. Et là, ce soir, ça sera la gamme pentatonique, quoi. Ok? C'est fou, ça mouline, comme dit Claudie. Ça mouline, ça frise un petit peu. Alors effectivement, je vois que ma connexion n'est pas top. Sortie vidéo faible, pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des trucs qui gênent? Je vais essayer d'enlever des trucs. Voilà, qu'est-ce que je peux enlever encore? Est-ce que c'est l'antivirus qui pose des problèmes? J'enlève tout ce que je peux. Hein. Ouais, il y a un petit souci de flux. Biscotte, effectivement, ça coupe beaucoup. Ah! Alors, pourquoi ça coupe beaucoup? Je regarde un petit peu. Ouais, c'est peut-être la 4G qui n'est pas top ce soir. Ordi est-elle? Le flux plante. Eh merde! Ah ouais, diffusion terminée, super. Alors, je sais pas si je suis encore en direct ou pas, du coup. J'essaie de résoudre le problème, mais c'est pas gagné. Ouais, je suis revenu. De retour avec nous. Ah, bon. Vous faites bien de me le dire. Moi, j'en sais rien du tout, du coup. Ok, si j'actualise ma page, est-ce que ça fout le bordel? C'est revenu, c'est bon. Ok, bon. Je touche à rien ou j'actualise ma page? Et au risque que ça soit la merdasse. Si quelqu'un peut me dire si je peux actualiser, parce que moi, pour moi, mon niveau de sortie est toujours faible, donc je sais pas.
Ok, on y va, on essaye ça. Je surveille un petit peu les chats. Hein. Dès que je vois que vous vous mettez en colère, c'est que c'est grillé pour ce soir, quoi. Ok. Alors, comment utiliser les pentatoniques sur plusieurs accords ? Donc, d'abord, le premier rôle du bassiste, c'est de supporter, de jouer les toniques de chaque accord, quoi. D'accord ? Alors, pour vraiment prendre un exemple concret, comme d'habitude, quoi, d'essayer d'être le plus concret possible. En ce moment, je fais travailler des élèves sur un morceau que vous connaissez tous, que vous avez déjà tous entendu, qui date peut-être des années 90, on va dire, un truc comme ça. C'est What's Up des Four Non Blondes. Donc, j'ai commencé à tester un petit peu ça sur les élèves cette semaine, sur certains élèves. Et ma foi, ça donne, je pense, un bon exemple de l'utilisation des pentatoniques. What's Up des Four Non Blondes. Alors là, je ne vais pas vous passer le morceau en lui-même, parce que sinon, YouTube va me striker pour des questions de droits d'auteur. Mais ça faisait un truc comme ça. Alors, on l'a joué en le morceau étant là, en si et en ré. Alors, pour ceux qui ne voient pas trop ce que je veux dire, si vous avez le temps d'aller checker sur YouTube ce morceau, sinon, c'était le truc qui faisait... Hey, yeah, 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 hey, yeah, yeah. I said, baby, what's going on? And I say, hey, yeah, 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 hey, yeah, yeah. I said, baby, what's going on? Ok. Voilà, donc je pense que tout le monde a déjà entendu ce tube, quoi, des Four Non Blondes, What's Up. Donc, dans ce morceau, c'est une balade pop, quoi, on va dire, hein, il y a trois accords différents. Et le cycle du morceau dure quatre accords. Alors, je m'explique, ça veut dire que le premier accord, je vous les donne, hein, pour l'instant, je vous donne que le nom des accords. Je vous donne pas leur nature, majeur, mineur, septième... Pour l'instant, je vous parle pas de ça. OK ? Le premier accord, c'est un La pour ce morceau, quoi. Donc, un La, vous pouvez trouver un La, cinquième case, corde de Mi, quoi. Le deuxième accord, c'est un Si. Alors, pareil, on verra un Si quoi, un Si majeur, un Si mineur, etc. Bon, pour ceux qui ont suivi un petit peu les lives sur les arpèges, arpèges majeurs, arpèges mineurs, ben on va se réviser ça un petit peu, quoi. Troisième accord, ça sera un Ré. Ok, vous pouvez trouver un Ré, cinquième case, corde de La. Et on a nos trois accords, mais comme c'est un cycle de quatre accords, ben il y a un quatrième accord. Le quatrième accord, c'est le premier. On revient sur un La. Donc, au niveau des accords, ça fait La. 2, 3, 4, si, 2, 3, 4, ré, 2, 3, 4, la, 2, 3, et on revient sur un la, 2, 3, 4, si, 2, 3, 4, ré, 2, 3, 4, la, 2, 3, 4, et on recommence sur un la. Ok, on termine par un La, on recommence sur un La. J'insiste là-dessus, puisque souvent, les bassistes débutants se font avoir. Hein. Quand un morceau termine par le premier accord, on a tendance à confondre un petit peu tout ça. Donc, La, Si, Ré, La. La, Si, Ré, La. La, Si, Ré, La. Deux fois l'accord de La. Ok ? Donc, si on revient au rôle fondamental du bassiste. Quand on a une grille d'accords comme ça, what's up ? Premier réflexe, oui, il faut retrouver donc les toniques de chaque accord, les premières notes, la note mère de l'accord, quoi. Okay ? Donc quand on vous parle d'un accord de La, oui, il faut localiser la note La. Et c'est parti. Et le truc, pour, si on fait ça pour tous les accords, finalement, ben on va entendre la chanson. Ré. On a destination.
Et finalement, on pourrait presque se contenter de ça, de simplement jouer les toniques des accords, et puis on soutient bien l'harmonie du coup, hein, puisqu'on a on est vraiment sur les notes principales. Donc, on pourrait vraiment se contenter de ça, hein. Le bassiste de base, au bout de 5 cours, on le retrouve avec une bière, une clope, et en train de jouer des toniques dans un orchestre de bal, quoi. Ok? Et puis ça marche, quoi. Voilà. What's going on? Etc. etc. Mais avouez que c'est un petit peu chiant au bout d'un moment, quoi. Surtout sur une chanson comme ça où il n'y a que justement ces 4 accords. Et c'est tout le temps, ça va être tout le temps pareil, hein. Toute la chanson, vous pouvez vraiment la mettre après si vous voulez la travailler. Vous la mettez sur YouTube, clac, et vous jouez la, si, ré, la par-dessus. C'est comme ça pour toute la chanson. Il n'y a aucun changement, quoi. Ok ? Bon, alors à partir de ça, finalement, nous, ce qui va nous intéresser, ça sera quand même de pouvoir faire varier un petit peu la ligne de base, de l'enrichir quand même, quoi, hein, plutôt que de se contenter simplement des toniques en ronde, quoi. Ok, c'est bien au début pour repérer justement les notes, mais au bout d'un moment, on a envie de faire autre chose, quoi. Normal. Donc pour ça, il nous faut des outils. Et donc, il y a plusieurs outils possibles. Les arpèges, les triades, ça c'est ce qu'on a vu dans les lives précédents et qu'on reverra sans doute aussi, hein. Identifier les arpèges des accords. Et puis là ce soir on s'est dit tiens, peut-être que comme outil on pourrait carrément prendre la gamme pentatonique, quoi. Okay, donc on va quand même essayer d'y aller dans l'ordre pour ce soir, quoi. Là on a isolé les toniques de chaque accord. Ok. Maintenant, comme je vous disais, je vous ai nommé, je vous ai donné les noms des accords. La, si, ré, la. Mais je ne vous ai pas donné leur nature. Le nom d'un côté, la, si, ré, mais la nature de l'autre. Majeur, mineur, septième, diminué. C'est ça, en fait, pour moi, hein, en tout cas, la nature. Ce que j'appelle la nature de l'accord, c'est ce qui le constitue dans son ensemble, quoi. Pas que son nom, mais son identité, en fait. Sa nature. Est-ce que ça va, ça, au niveau des termes ? Enfin, voilà, moi, pour moi, la nature d'un accord, c'est justement son caractère majeur, mineur, septième. OK ? Alors, il y aurait un travail à faire pour justement se débrouiller à identifier tout seul la nature des accords, quoi. Le La, par exemple, il est majeur ou il est mineur ? Le Si, il est majeur, il est mineur ? Le Ré, comment on fait pour savoir ça, quoi ? Plusieurs solutions, soit on fait sa feignasse et on demande au guitariste « C'est quoi tes accords ?» Alors, voilà, et le mec donne les réponses s'il les a déjà lui-même, quoi. Soit il joue complètement à l'arrache, il ne sait pas du tout ce qu'il fait, et là, vous êtes tous les deux dans la panade. Soit il sait ce qu'il fait, il vous dit la nature des accords, et à partir de là, vous pouvez choisir de quels outils vous allez employer, quoi. Soit les arpèges, soit les pentatoniques. Il vous dit directement le nom des accords. Bon, ok. Le mieux, évidemment, c'est de pouvoir les retrouver soi-même, quoi. Ok. Donc ça, on va essayer de le voir ce soir, d'essayer de retrouver la nature des accords. Tout ce travail-là, c'est à faire, je pense, avant d'essayer d'appliquer, entre guillemets, bêtement, les gammes pentatoniques sur les accords, par exemple. Sans trop savoir si celui-là, il est majeur, l'autre, il est mineur. Bon, on s'en fout, ça marche en appliquant des mécanismes et c'est cool, quoi. Ouais, pourquoi pas, mais on comprend toujours pas la musique quand on fait ça, quoi. On se contente de faire de singer un cover, quoi. Et le mieux, c'est d'essayer de comprendre comment ça marche, quoi. Alors, la solution. Je vois une petite remarque dans le chat de Michel. Avec les quintes, ça doit pouvoir fonctionner sans connaître la nature de l'accord. Exactement. Une fois qu'on a isolé les toniques, c'est vrai que la seconde note qu'on peut utiliser dans les accords, c'est effectivement la quinte, puisque pour ceux qui ont suivi un petit peu les histoires de triade et d'arpège, vous savez qu'un accord est formé avec son arpège 1, 3, 5 et 7, les notes impaires de la gamme.
Alors là, pour l'exemple, je vais vous donner la réponse. Le premier accord, c'est un La majeur, simple. Donc ça veut dire que si on a un La majeur, on peut appliquer la gamme majeure dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous vous souvenez de cette mélodie, la mélodie de la gamme majeure? Okay. Bon, on va pas se servir d'elle ce soir pour alimenter nos lignes de basse. Mais elle nous permet donc de réviser un petit peu le fait que, effectivement, pour chaque accord, on a une tonique. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, et on a une quinte. Dallas. Ok? L'intervalle de quinte, c'est ça, hein. Une tonique. Et en dessous, deux cases plus loin, corde supérieure, on a une quinte. Alors, la quinte, oui, je suis d'accord avec Michel, c'est cool de connaître ses toniques et ses quintes, même si on n'a pas de notion trop, on n'est pas encore à l'aise super bien avec les arpèges, les gammes et tout ça, au moins connaître ses toniques. Et ces quintes, la quinte qui va avec la tonique, effectivement, c'est cool puisque la quinte, on la trouve dans tous les types d'accords, dans toutes les natures d'accords. Les accords majeurs, il y a une quinte. Les accords mineurs, il y a une quinte. Les accords septièmes, il y a une quinte. Cool, quoi. Donc, ouais, effectivement, on peut s'amuser à placer la quinte dans notre ligne de basse sans prendre trop de risques sur la nature de l'accord. S'il est majeur, s'il est mineur. On s'en fiche, la quinte, on la trouve dans les deux types d'accords, dans les trois types d'accords avec l'accord septième. Donc finalement, on pourrait dire, allez, what's up, tonique, quinte, tonique, quinte de si, tonique de ré, quinte de ré. Et là, je retrouve la quinte. Alors effectivement, quand on vérifie avec la mélodie, I said, babe, what's going on? I say, I said, babe, je vois des conneries sur le chat. What's going on? Comment ça, Chris? J'ai fait une couleur, mais ça va pas, non? J'ai pas fait du tout de couleur. Non, c'est ma tête normale. Enfin, c'est ma tête normale du mec qui dort plus depuis 15 jours. Mais c'est ma tête normale. Ok, donc les quintes, c'est possible, quoi. Alors, remarque de Claudie et l'octave. Oui, effectivement, on peut aussi employer l'octave, puisque l'octave, c'est la sœur jumelle de la tonique. Pareil, pour ceux qui ont suivi un petit peu les lives et travaillé leurs intervalles, tonique, quinte, certes. Tonique, octave, c'est-à-dire la sœur jumelle. Un La grave avec la correspondance de son octave, un La aigu. On saute une corde et on vient jouer deux cases plus loin en sautant une corde, on a l'octave. Alors comme on a un La grave et un La aigu, bien sûr qu'on a droit de jouer un La grave ou un La aigu. D'accord? Donc ça vous fait encore une option, effectivement. Ok? Salut Marilène, coucou les bassistes, je peux pas être avec vous, je suis à un concert. Eh bien, bon concert Marilène, à une prochaine. Salut Hervé. Alors Chris, Fifi Chayeb recommande de jouer tonique puis quinte quand on ne sait pas trop quoi faire sur une ligne de basse. Comme il a raison Fifi. Alors en parlant de Fifi Chayeb, je vous ai mis sur YouTube il y a quelques temps un groove de Philippe Chayeb qui est un petit peu compliqué en slap. Je vais essayer, hein, je pense, après le 30 juin, parce que là, vraiment, je suis coincé pour les 15 prochains jours. On étudiera un groove de Philippe Chayeb, Fifi Chayeb, grand, grand bassiste français. Bon, bah voilà, une recommandation de Fifi Chayeb, impeccable, Chris. Donc, effectivement, quand vous ne connaissez pas la nature des accords, majeur, mineur, septième, la tonique, la quinte et l'octave, évidemment, et vous êtes sauvé.
Oui, parce que ce sont donc des notes qu'on retrouve dans tous les types d'accords. Est-ce que c'est clair? Tout ça, quoi. Alors, un petit message, un petit trollage de Maxou. D'accord, ok. De rien, Maxou. Je t'en prie. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Voilà, petite private joke entre nous. Ok, donc voilà. Alors Cédric rajoute et l'octave de la quinte. Oui, bien sûr. Hein, on pourrait aller loin comme ça. Tonique, octave de la tonique. On a droit à la quinte. Mais évidemment, chaque note a sa propre octave. Donc évidemment, la quinte a son octave aussi. Et bien sûr qu'on a droit d'utiliser ça. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème, quoi. On peut utiliser les octaves des notes qui sont disponibles, quoi. Ok là-dessus. Bon, par contre, c'est toujours pareil. Ça permet de nous sauver, les bassistes, de jouer que les toniques ou de jouer tonique plus quinte avec leurs octaves. Ok, ça nous sauve, quoi. Quand on ne connaît pas grand-chose en harmonie et tout ça. Mais le petit souci, c'est que finalement, enfin, c'est toujours pareil. Une fois qu'on a joué tonique, quinte, et je vous assure que sur WhatsApp en plus, qui est une balade avec voilà, trois accords comme ça différents, il y a des chances qu'on s'ennuie encore un petit peu. Et puis finalement, notre rôle de bassiste qui est censé soutenir l'harmonie, bah, on ne le fait toujours pas. Donc je sais bien que c'est rock'n'roll hein, de jouer tonique, quinte, c'est cool, mais au bout d'un moment, ça saoule, quoi. Et ça rime en plus. Donc, ah, Monsieur Stéphane est là et il nous dit, et la tierce alors? Voilà un bon élève. Et oui, il va quand même falloir parler de la tierce. Pareil, pour ceux qui sont un peu au courant, la tierce détermine la nature de l'accord. La troisième note détermine de la gamme de l'accord détermine la nature de l'accord. Pour ceux pour qui ça commence à devenir du chinois, n'hésitez pas à aller télécharger mes 10 fiches d'harmonie pour débutants sur bassistique.com dans la partie basse-cour et de vous refaire quelques lives en replay là éventuellement où on a évoqué un petit peu ces questions-là. Mais alors, excuse-moi, ça parle de quoi? Alors là, on est en train de. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment utiliser les gammes pentatoniques sur plusieurs accords. Ok? Et donc, on en était là. Maintenant, on sait qu'on a droit à la tonique, on a droit à la quinte. Oui, il faut nous aussi qu'on souligne la nature des accords. On ne peut pas laisser le guitariste ou le pianiste faire ça indéfiniment toute notre vie, quoi. Nous aussi, il faut qu'on sache vraiment jouer sur les accords majeurs, mineurs, septièmes. Ok. Donc, pour le premier accord, je vous ai dit que c'était un La majeur. Donc, si vous connaissez vos arpèges, un arpège majeur, tout simplement, c'est tonique, tierce majeure, quinte, septième majeure. Et ça, c'est le premier accord de What's Up. Alors, une petite digression tout de suite là-dessus. Alors, je sais, hein, pareil, hein, comme pour certains lives, là, je vous balance plein, plein d'infos en condensé. Qui normalement devrait prendre plusieurs cours. Hein. On doit prendre plus de temps pour ça. Mais là, comme c'est un live d'une heure environ, je vous mets un petit peu tout ce que je peux. Et puis peut-être que le replay pourra servir à retrier ces infos. La petite digression, c'est que What's Up des Four Non Blondes, c'est un morceau pop. Et qui est constitué d'accords simples, c'est-à-dire généralement d'accords à trois sons, les triades. 3, 5, un guitariste, il ferait un truc du style. Il ferait du style tonique, tierce, quinte. Et ça suffirait pour accompagner What's Up. Ce que je veux dire par là, c'est que votre arpège 1, 3, 5, 7, c'est bien, mais la septième majeure, on n'est pas obligé de l'utiliser. Et on va voir avec les pentatoniques tout à l'heure. On va la zapper en fait, cette septième majeure là. Elle n'est pas essentielle. En musique pop, généralement, on va se contenter des formes d'accords assez simples, des accords à trois sons, tonique, tierce, quinte. En jazz ou sur des formes de musique plus évoluées, on va utiliser beaucoup plus la septième, quoi.
Là, en l'occurrence, on va sur certains accords, on va la zapper carrément la septième, quoi. On va le voir avec la gamme pentatonique, justement, quoi. Ok? Donc, le premier accord, c'est un La majeur. Donc, on déclenche notre triade, pourquoi pas. Le jingle SNCF. Triade majeure. Triade de La majeur. Puisque c'est un accord majeur et qu'on parle des pentatoniques ce soir, et ben pour ce premier accord, si c'est un accord majeur, on va tout simplement placer la pentatonique majeure. Vous souvenez de la pentatonique majeure? Regardez le live sur les pentatoniques. N'hésitez pas à aller récupérer mes petits documents sur bassistique.com qui parlent des pentatoniques. Et vous pourrez jouer ça. Pentatonique de La majeur. Alors, une fois qu'on a collé la pentatonique, vous avez vu la somme d'informations qu'on a au niveau du nombre de notes. On a beaucoup plus de notes que notre bonne vieille tonique et notre bonne vieille quinte. Là, on a carrément tonique, seconde, tierce, majeure, quinte, sixte et octave. Alors là, déjà, pour alimenter les lignes de basse, il y a un petit peu plus de possibilités, vous croyez pas? Donc, La majeur, penta majeur, poum, on réfléchit pas. Deuxième accord. J'ai pas le temps ce soir de vous faire deviner la nature du deuxième accord, mais Alain nous a spoilé, et le deuxième accord, c'est un si mineur, effectivement, quoi. Oh, je suis obligé d'autoriser un commentaire de Bruno Batterfou. Putain, la batterie, c'est moins compliqué. C'est parce que tu as mis un gros mot que tu aurais pu te faire bloquer dans le chat. YouTube est très prude en ce moment. Je suis mal d'ailleurs pour ça. C'est un si mineur, exact. Donc du coup, si mineur, vous êtes censé commencer à maîtriser les arpèges, les triades. Triade mineure, comment ça marche? Vous vous souvenez de ça? Tonique, tierce mineure. Quinte. La quinte, comme tout à l'heure, la quinte, elle est au même endroit. Hein, quand on a fait tonique quinte, voilà, la quinte n'a pas bougé, comme je vous disais. Tonique, tierce, quinte. Mais c'est pas grave, Bruno, dis des gros mots. Je t'autoriserai. Voilà. Triade mineure, parce que l'accord est mineur. L'accord de si est mineur. On a un si mineur. Ok. Puisqu'on a choisi d'utiliser les pentatoniques ce soir, eh ben si mineur égale pentatonique mineur. Pareil, si vous vous souvenez plus de la position d'une gamme pentatonique mineure, allez voir les lives précédents. Ils sont tous dispo en replay. Vous laissez passer juste la pub et puis c'est bon, quoi. Voilà, donc on a un La majeur, un Si mineur et le troisième accord. Je crois que Emeric a donné la réponse, Alain aussi. Effectivement, le troisième accord, c'est un Ré majeur. Pareil, même punition, Ré majeur. Le premier réflexe, c'est de retrouver la triade ou l'arpège. 1, 3, 5. Jingle SNCF encore. 1, 3, 5. Et donc la gamme pentatonique majeure qui correspond, c'est la même mécanique que pour tout à l'heure pour le La. Mais à partir du Ré. Ré. Et vous déclenchez la mécanique de la pentatonique majeure. Ouais, c'est vrai, Bruno. Bruno, en tant que batteur, t'es à la rue sur ces notions d'harmonie là et tout. Bon, là, c'est pas ce qu'il y a de plus débutant hein, ce soir, hein, l'utilisation des pentatoniques sur plusieurs accords. J'essaie de contenter un petit peu tout le monde. S'il y en a qui sont perdus, j'en suis désolé. Hein. N'hésitez pas à regarder les replays précédents, donc. Hein. Et on trouvera l'occasion de revenir sur des fondamentaux, des choses plus simples que ça ce soir. Hein. Donc Ré majeur, penta majeur. Alors Chris, tu préconises la tierce mineure sur la même corde que la tonique
ou sur la corde d'en dessous. L'un et l'autre. Je préconise les deux en fait. Hein. Pour le si mineur, tonique, tierce mineure. Ou alors tonique, tierce mineure. Même la septième mineure ici, hein, Chris. Bon, ça, c'est les différentes positions de pentatonique. Là-dessus, je ne vais pas trop insister ce soir. Hein. On pourra le faire peut-être dans un live technique, peut-être, technique de gamme. Mais non, non, tu peux, ben, comme d'habitude, hein, ces notes-là, ces mécanismes-là, c'est cool. Mais au final, il faudra pouvoir retrouver les notes partout sur le manche, quoi. Évidemment, quoi. Je regarde toujours un petit peu le chat. Hein. Biscotte, alternance, triade mineure, majeure, ça me fait toujours penser à Pulling Teeth, peut-être, hein, d'Anesthésia. Possible, je t'avouerai que je suis une brêle dans tout ce qui est rock, métal et tout ça. C'est ça, hein, c'est métal, ça, Anesthésia. Je suis une quiche là-dessus. Hein. Je peux en jouer, je peux l'enseigner, mais j'en écoute pas. Ah oui, de Cliff Burton, d'accord, ok. Oui, bah oui, Pulling Teeth de Metallica, du coup. Ouais, le mec qui se rattrape, mais c'est trop tard. Je suis grillé. Non, je connais mal tout ce qui est metal, rock et tout. J'aime bien hein, en écouter tout ça. Mais je me suis arrêté à Led Zeppelin, quoi. Par contre, je suis incollable sur Led Zeppelin. Alors, Alain, on résonne en degrés ? Non, pas vraiment. Là, on essaie de rester simple dans cette complexitude. Je vois un La majeur, j'applique la penta majeure. Je vois un Si mineur, j'applique la penta mineure. Je ne fais pas forcément le lien ce soir entre le La et le Si. Mais je vois où tu veux en venir, hein, Alain. Mais là, non, je ne raisonne pas en termes de degrés. Je raisonne juste en termes de gamme. Un accord majeur, penta majeur. Un accord mineur, penta mineur. Ouais, Carole, t'es perdu. Ben ouais, oui, hein, c'est ce qui risquait d'arriver ce soir. Hein, c'est un petit peu plus complexe, effectivement. Peut-être hein, pour les débutants ce soir. Hein. J'en suis désolé, on reviendra sur des choses plus simples. Hein. Mais que ça vous donne peut-être juste une perspective d'avenir sur ce qui peut vous attendre dans votre évolution, hein, c'est l'utilisation des gammes pentatoniques comme ça. Je vais vous donner des exemples après de lignes de basse, des exemples concrets sur l'utilisation de tout ça, et vous allez voir que ça fonctionne. Quoi. Yadeshi, j'ai un problème pour retenir les notes. Moi aussi. Il faut passer du temps là-dessus. Hein. Il faut passer vraiment du temps. Quoi. Arrache, si je comprends bien, toutes les notes de la gamme de La majeur se retrouvent dans Si mineur et Ré majeur. Avec peut-être des variantes dorien, phrygien, je ne sais pas lesquelles. Ouais, alors Arrache, c'est pareil. Pour moi, ça, c'est ce genre de question, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Pour l'instant, il faut vraiment, à mon avis, se concentrer sur ces mécaniques et les appliquer sur les accords. Tu vois, comme je disais, hein, gamme pentatonique de La majeur, c'est ça. Et il va falloir trouver quelque chose, une ligne de basse, des idées avec ça. Le Si mineur. Essayez de penser accord par accord, pas en termes de degré, de mode, phrygien, tout ça, mais prenez chaque accord un par un pour ce qu'ils sont. Chacun dans leur identité propre, quoi. N'essayez pas de faire le lien pour l'instant entre les accords. C'est pas forcément utile, quoi. Oui, t'as raison, il y a des notes communes hein, dans ces trois accords. Il y a des notes communes, mais pour l'instant, on va essayer de rester simple et pragmatique. Je vois un accord majeur, position de penta majeur. Je vois un accord mineur, position de penta mineur. Je vois un accord majeur, position de penta majeur. Et je m'arrête là dans la réflexion. Sinon, effectivement, si tu pars là-dedans, là, t'as pris ton coupe-coupe et tu traces la forêt équatoriale et t'essaies de te tailler un chemin, mais ça repousse immédiatement derrière toi. Hein. Là, tu rentres dans un truc de fou. Et il faut essayer de défricher, justement, étape par étape. Quoi. Ok. Pour autant, je joue du Led Zepp, dit Yadeshi. Bah oui, oui, moi, c'est mon groupe préféré, Led Zeppelin. Ouais, donc ça va, ça. Bertrand, on renverse 1 sur 2.
je ne sais pas si on peut appeler ça un renversement, mais en tout cas, si on reste dans l'analyse accord par accord, le premier donc penta majeur, le deuxième penta mineur, le troisième penta majeur, et le quatrième qui est le premier, encore la penta majeur. Alors maintenant, si, vous pouvez vous faire le petit test quand vous mettez le MP3 de WhatsApp. Je rappelle, hein, là, j'ai basé ce truc sur WhatsApp des Fornan Bland. La meilleure chose pour vérifier que vous n'êtes pas planté de gamme, c'est de les éprouver donc sur le morceau et de les éprouver par rapport à la mélodie de chant, quoi. N'oubliez pas un truc, c'est que finalement, toutes ces choses-là, toutes ces recettes, quelle gamme appliquer, sur quel accord et tout ça, ça ne vaut finalement, si vous posez des questions sur le bon choix des notes, ça ne vaut que si toutes vos notes se marient bien avec la mélodie de la chanson, quoi. Soit donc le chant, soit, je sais pas moi, un saxophone qui jouerait le thème d'un morceau. Mais votre choix de notes ne vaut que si ces notes ne s'entrechoquent pas avec les notes de la mélodie. D'accord ? Si vous sentez qu'une de ces notes est foireuse par rapport à la mélodie, c'est que vous n'êtes pas dans le bon choix de notes. Vous n'êtes pas dans la bonne gamme, quoi. Ok ? Donc, Claudie, on a dit Ré, le Ré, c'est Ré majeur. Ré majeur. Ré, ici. Et on revient sur le La majeur. Ok ? Belle métaphore, la forêt équatoriale. Bah oui, mais ça c'est la pédagogie, ça, Chris, j'ai envie de te dire. Bah oui, c'est un métier. C'est un métier. Allons-y. Désolé pour ce petit moment d'absence. La semaine a été difficile. Mais on va y arriver. On se teste ça. Je vais chantonner la mélodie et je vais tester mes gammes pentatoniques. Je vous conseille vraiment de faire ça, quoi. J'essaie de pas faire trop de grimaces, je vais ressembler à Bruno Tosin. Voilà. Donc, ça marche. Ok ? Ces pentatoniques-là marchent par rapport à la mélodie. Tout est cohérent. Donc, on peut valider ce cadre harmonique, quoi. Ok ? Tout est feeling, en fait. Pas tout, mais ça va venir après. Pour moi, c'est ça. Une fois qu'on a déterminé les notes qu'on a le droit de jouer, le faire avec au feeling, ça voudrait dire que vous déterminez vos notes à l'oreille, complètement à l'arrache. Hein, vous cherchez sur le manche. Alors celle-là, oui, celle-là, non, celle-là, ah, ça, oh, non, c'est dégueulasse. Hein, jusqu'à ce que vous trouviez le cadre. Soit vous passez par la connaissance de l'harmonie, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est le résultat qui compte, quoi. Ok ? Non, moi je mettrais pas le feeling là-dessus. Là, ce qu'on fait là, c'est juste de la connaissance de base de la théorie. Pour l'instant, on n'a toujours pas joué de musique, hein. On est bien d'accord. Là, on est dans le pédagogique, dans le didactique. On n'est pas dans la musique. Je vous ai pas joué de ligne de basse avec ça. J'ai rien fait d'autre que de poser un cadre harmonique, quoi. Maintenant, on va essayer d'en faire de la musique. Donc, je vous rappelle le cadre. I said, babe, what's going on? Ok. Vous allez répéter à Biscotte, va répéter tout à Bruno Tosa. Si tu veux, ça changera rien. Je continuerai de me moquer.
Donc, un petit exemple. C'est dommage, hein. Je vous le disais au début du live, pour ceux qui n'étaient pas là, je ne peux pas vous mettre directement le morceau What's Up des Four Non Blondes et jouer par-dessus parce que YouTube va me striker la vidéo pour des raisons de droit d'auteur. Donc, je suis obligé de chanter le truc. Donc, vous devez subir, quoi. Alors, maintenant, imaginez. Et maintenant, je propose une petite ligne. Bon, ce genre d'accompagnement qui a utilisé exclusivement donc les gammes pentatoniques. Donc, si on détaille un petit peu, je regarde un petit peu le chat. Alors, est-ce qu'il faut suivre la grille d'accords du morceau ? Oui, Aouli, hein, c'est exactement le morceau What's Up, quoi. Olivier, la bière était fraîche, tant mieux pour toi, mec, j'ai même pas eu le temps d'en boire une encore. J'aime bien quand tu chantes, Carole. Voilà une femme de bon goût. C'est clair, bien plus joli que s'il n'y a que les notes majeures. Oui, en fait, hein, ici, il y a un accord mineur hein, avec le si. Alors, si on fait un petit peu l'analyse de cette impro-là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'en sais rien. Mais sur le premier accord, donc on reprend le la. Ok, on s'arrête là. Ok. Voilà, j'ai fait un truc comme ça, par exemple. Et je suis arrivé sur le si. Bon. Tonique, tierce, quinte, sixte et quinte. Voilà, ça c'était ma première ligne de basse. Et ben, preuve en est donc que j'ai bien utilisé la gamme majeure pentatonique, première position, juste ce premier mécanisme. Voilà, je pense pas en termes particulièrement de degrés ou quoi. C'est juste ma première position de gamme pentatonique et j'essaie de trouver une ligne de basse avec. Donc dans cette gamme, j'ai choisi la tonique, la tierce, la quinte et la sixte. Ce qui est cool dans cette gamme pentatonique, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas la septième majeure, il n'y a pas la septième. Donc du coup, ça nous oblige à faire un tri déjà au départ, quoi, dans le choix des notes. Et la gamme pentatonique, il n'y a pas la septième, mais il y a la sixte. Et en fait, on est obligé de trouver des idées avec cette sixte plutôt que la septième. Et ça rend les lignes de basse plus musicales, ça les rend différentes, quoi. Plus optimistes, plus joyeuses avec cette sixte, quoi. Vous inquiétez pas, je ne vais pas me transformer en Charles Baudelaire. Mais voilà, il y a un petit côté joyeux avec cette sixte, quoi. Alors voilà, j'ai fait ça. Tonique. Tierce, quinte, sixte, quinte. Alors avant de parler du si et du ré, on va parler du dernier la, puisque c'est le même accord. On est toujours sur notre bonne vieille pentatonique. Aoli, trop de notes, tu la notes. Oui, t'as pas tort, hein. Là j'exagère un petit peu. C'est vraiment pour...
essayer de montrer des applications avec la pentatonique. Vous n'êtes pas obligé de broder comme ça, évidemment, quoi. Mais ceci dit, What's Up peut très bien se jouer tonique, 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 tonique. Et là, pourquoi ne pas faire un petit fil à la fin du cycle, quoi, pour relancer la machine, relancer la chanson, faire comprendre à la chanteuse, vas-y ma poule, entame ton deuxième couplet, on est tous avec toi, quoi. Ok, donc tout ça pour répondre comme ça. Oui, Aouli, t'es pas obligé de mettre gavé de notes dans ton groove, mais par contre, tu peux te servir de tes connaissances en théorie, de ta connaissance des gammes, pour faire des petits fils, des petites relances. Tu vois, moi j'aime bien ce petit fil, par exemple, c'est celui-là dont je voulais parler. Ré, on a destination, là et là. Et c'est reparti pour un tour. Ok, c'est ça un fil, c'est une relance. Voilà, j'ai été super sobre sur ma ligne de basse, j'ai joué que les toniques. Mais je me suis permis un petit fil, voilà, pour égayer un petit peu le morceau, quoi. Et ben, si on regarde ce fil, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait tonique, sixte, quinte, tierce, seconde, tonique. Sans déconner, j'ai descendu la gamme pentatonique de La majeur. Je l'ai descendu dans l'ordre. C'est tout, quoi. Et je trouve que ça le fait, ce petit fil. C'est simplement la gamme en descente. La différence, c'est quoi ? Le petit fil, hein. La différence, c'est quoi ? C'est que j'ai essayé de jouer cette descente de gamme de manière musicale. C'est-à-dire que je n'ai pas fait ça. J'ai pas été trop mécanique, mais j'ai essayé de mettre un petit peu de rythme à main droite. Ok. Bon, on en a parlé un petit peu, hein, de l'utilisation de la main droite sur d'autres lives. Voilà, j'ai essayé d'être musical. Et c'est là que je rejoins qui me disait ça sur le feeling, quoi. Alain, je crois. Pour moi, le feeling, c'est ça. C'est qu'une fois que j'ai mon cadre harmonique, je sais quelle gamme j'ai le droit de faire. Le feeling, ça va être de rendre ça musical, quoi. Alors après, chacun a son feeling, quoi. Chacun a son expérience aussi. Mais voilà, moi, je le sens comme ça. Et je vais m'amuser avec ces gammes. Donc ça veut dire que il est déjà moins 10, hein, les enfants. Ça veut dire que je vais faire pareil pour le si mineur pentatonique, hein, je vais me balader dedans. Pour le ré majeur, je vais me balader dedans. Et je vais essayer de trouver des lignes, quoi, des idées en fait, hein. Alors le la, on a fait un truc comme ça. Alors maintenant le si. Alors le si, je sais pas. Voilà, j'ai fait un truc comme ça. Si, je vous rappelle le si mineur pentatonique. Et ben là, j'ai fait tonique, quinte, septième, octave. J'ai pas utilisé la tierce mineure. Mais j'ai pratiquement utilisé 95% de la pentatonique, quoi. Pareil, pour moi, c'est ça le feeling. C'est qu'au bout d'un... Enfin, j'ai essayé de jouer ça de manière musicale, en mettant du rythme à la main droite. 1.
moi, c'est ça, le jouer au feeling. C'est pas jouer à l'arrache des notes qu'on comprend pas et ça passe au petit bonheur, la chance. Non, pour moi, le feeling, c'est ça. C'est on a nos cadres précis et après, il faut en faire de la musique. Et ça, là-dessus, personne peut vous aider à trouver des idées musicales à part en vous suggérant de vous alimenter en ligne de basse, de travailler les lignes de basse des autres, de vous les approprier, de les voler, de les digérer et de ressortir des choses. Mais ce moment où des choses ressortent de vous comme ça, en impro, naturel, ça après c'est propre à chacun en fonction de son vécu, de son expérience et de ce qu'il a travaillé quoi. Là tout ce que je fais là en impro total hein, c'est tiré de d'années et d'années de pratique en fait je pense quoi. Et pour moi le feeling c'est ça, c'est des choses qui ressortent comme ça. Quelquefois vous faites de la merde parce que vous n'êtes pas inspiré et quelquefois vous faites des trucs super parce que c'est le bon moment quoi pour ça. Pour moi c'est ça le feeling quoi. Voilà. Ouais, merci à Wooly. Nickel, ta ligne de basse en palm mute. Ouais, palm mute. Hein, c'est le fait de bloquer ses cordes avec la paume au niveau 1 du chevalet et de jouer, d'étouffer les cordes en fait. Hein. D'étouffer les cordes. Bon, etc. Pareil pour le si mineur, pareil pour le ré majeur. Bon. Voilà, on pourrait passer des heures à discuter de ça. Malheureusement, le temps passe très, très vite. C'était juste un petit live sur l'utilisation des pentatoniques. Essayez de rester très pragmatique. Travaillez votre première position de gamme pentatonique. La penta majeure, la penta mineure. Et appliquez-les sur les accords, tout simplement, quoi. Okay. Sans trop chercher tout ce que vous pouvez entendre sur le net, par exemple, en termes de degrés, d'harmonisation de la gamme majeure, les modes, les gammes modales, etc. Forget it. Franchement, c'est trop tôt pour des débutants ou des niveaux un peu plus intermédiaires, j'en sais rien. Essayez de faire avec un minimum d'informations, en fait, sans vous perdre justement dans les notions d'harmonie. Vraiment, c'est la forêt équatoriale. Vous ne perdez pas là-dedans. Vraiment, allez-y pas à pas et si possible avec un guide. Donc, soit un prof, soit des bouquins, mais essayez de ne pas vous perdre là-dedans. Les possibilités sont infinies pour accompagner des morceaux, vraiment. Là, on a choisi les pentatoniques ce soir. On aurait pu choisir d'autres gammes, quoi, plus complexes. Et voilà. Ok pour ça, est-ce que vous avez des questions, des choses que j'ai sûrement oubliées quoi. Oui, Emeric, la conclusion, bordel, connaître son manche. Oui, on n'en sort pas, on n'en sort pas hein, de cette connaissance des mécanismes, des intervalles tonique, seconde, tierce, quinte, tiens, une sixte et l'octave. Je pense qu'on pourra se refaire des lives sur la connaissance du manche, des choses plus basiques, plus simples pour débutants qui ne connaissent pas leur manche. Ouais, faudra pas hésiter à faire ça, à mon avis. Méfiez-vous des informations sur le net, des choses qui vont trop vite. Je suis allé sans doute trop vite ce soir pour beaucoup d'entre vous. Et j'en suis désolé. Mais voilà, on essaye d'avancer comme ça. C'était un petit condensé. Ce que je vous ai dit là... Ce soir, pour moi, ça me prend, je ne sais pas, pour un élève débutant, ça prend au moins 10 heures de cours. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe sur Internet, généralement. Bonne soirée à vous, si vous n'avez pas de questions. Hervé, comment as-tu fait, Seb, pour connaître ton manche ? Ça, c'est tout un sujet, on en a parlé dans des lives précédents. C'est lié à la mentalisation du manche. Essayez de regarder dans mes vidéos aussi, notamment la vidéo « N'apprenez pas vos notes sur le manche ». J'ai fait une vidéo qui s'appelle comme ça, « N'apprenez pas vos notes sur le manche ». Essaye de la choper sur mon compte. Tu devrais avoir quelques réponses pour ça, quoi.
Biscotte, je vais travailler les grimaces en rythme. Merci pour les explications. Merci à toi. Hello Michael, Stéphane. Eh bien, écoutez, les gars, il n'y a plus qu'à bosser, quoi. Ouais, voilà, c'était des petits rappels, Bertrand. Sébastien, tu peux nous faire une liste avec des chansons, avec des accords simples comme ce soir? Ouais, je pourrais, je t'avouerai que là, ça ne me vient pas tout seul comme ça. Mais tapez dans la pop anglaise généralement. Radiohead, par exemple, des choses comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'accords, mais les chansons sont sympas. On a envie de jouer derrière le chanteur, quoi. Bah merci à vous. Le titre du live, c'est les iodes rythmiques main droite? Non. c'est travailler des pentas sur plusieurs accords. Vous allez avoir le replay dans 20 minutes ou presque immédiatement, je crois. Oui, Chris, Eagle Eye Cherry, 3 ou 4 accords dans chaque chanson. Voilà, ça c'est cool. Merci Chris. Eagle Eye Cherry. Pop anglaise, pop américaine, gratte acoustique. Voilà, généralement. Cathy Tunstall, tiens, je pense à ça. Je l'ai joué cet après-midi, là, avant de venir. En répé. Wow! Bam 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 bam. Ok, je suis en train de péter les plombs, merci. Bah merci à tous. Je lis vos derniers messes. Merci. Bah écoutez, si ça a pu vous apporter quelques infos, c'est cool. On y reviendra évidemment semaine prochaine, live numéro 19. Ah oui, une petite annonce. Waouh, avant que vous cassiez tous. Je pense que dimanche prochain, je vais avancer le live parce que j'ai un truc le soir. J'ai mes enfants qui participent à un spectacle de danse de ma compagne. Et donc, j'aimerais y aller. Et donc, j'aimerais avancer le live à 18h. Si c'est possible pour vous, si c'est pas possible, il y aura toujours le replay. Mais dimanche prochain, a priori, ça va être 18h, le 19e live, quoi. Je connais pas encore le sujet, à vous de me le donner. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire des suggestions de sujets aussi, quoi. 19e live, dimanche prochain, mais à 18h. Ok, essayez de faire passer le mot si vous avez des connexions entre vous, quoi. 18h. Ça marche, ça? Merci à vous, en tout cas, pour ce 18e live. Dimanche prochain, 19e. 30 juin, 20e live. Live apéro, questions-réponses. Questions and answers, Q&A, comme on dit sur YouTube. Donc là, voilà, on pourra interagir. Ça sera le dernier live de cette saison. Dans 15 jours, dernier live, 20e live. Donc, apéro et questions-réponses. J'essaierai de répondre à toutes vos questions. Bassistique, hein. Existentiel parfois, hein, ça m'arrive, mais là surtout bassistique. Salut, merci à tous encore une fois, ciao, dimanche prochain, 18h, on remet ça. Merci, bye bye, je vous laisse avec le générique, ciao.